Monsieur Agnew, c'est Paul Sobchak à l'appareil. Je vous appelle concernant la lettre que vous m'avez envoyée, juste pour vous dire que je suis en train de me rendre à un entretien d'embauche et je sens que je vais l'avoir ce travail, monsieur Agnew. Faites-moi confiance. Ce sera le dernier, monsieur Agnew. Je vais l'avoir ce travail. Pas de problème, je suis serein. Au revoir, monsieur Agnew. M'a soupçonné d'aller voler, d'être allé voler un dossier. J'étais fort déçu, hein. Ça, pour le coup, ça m'a laissé circonspect. Ne dites rien. Vous, vous venez pour l'entretien et vous avez rendez-vous avec François. Monsieur Noé. Oui. Attendez ici, mon petit, je m'occupe de tout. Entrez. Bonjour, monsieur Sobchak. Je me présente, je suis François Noé. Rien à voir avec l'Arche. J'imagine qu'il est inutile de vous présenter notre entreprise. Vous savez, comme tout le monde, que nous sommes incontournables dans le monde de la moule. Bref, je suis amené à être votre supérieur, comme qui dirait, hiérarchique dans cette entreprise. J'ai étudié attentivement votre candidature et elle me semble très intéressante. J'ai notamment noté que vous aviez fait un séjour d'une année à Liège en 99. Vous savez qu'être originaire de notre plat pays est un atout primordial pour travailler chez nous. Vous êtes bien originaire de Belgique. Oui, je suis français, né d'une mère belge et d'un père polonais, mais belge de cœur. Où ça donc en Belgique? De quoi? Votre mère, de quelle province? Liège. comme le bouchon. Belge à jour, belge toujours, comme on dit chez nous. Je sens que nous allons bien nous entendre, tous les deux. Entre compatriotes, on peut se tutoyer, hein, et n'y allons pas par quatre chemins. Si c'est bon pour toi, tu es désormais employé de la compagnie Van der Broek. Tu vas voir, c'est une petite entreprise par la taille, mais grande par l'esprit. Nous sommes présentement 4 employés, 5 avec Geneviève, la standardiste que tu as déjà dû rencontrer, et maintenant 6 avec toi. Tu vois, lui, c'est Lars Van der Broek. C'est l'âme de cette entreprise, le père fondateur, le roi de la moule. Si tu veux grandir dans cette boîte, inspire-toi de lui. Moi, je lui dois tout. Allez, viens. Je vais te présenter tes futurs collègues. Lui, c'est Victor de Klerk. Il s'occupe de ce qui est trésorerie, comptabilité, addition, soustraction. Hein, Victor? Oh, c'est l'heure de la piqûre, mon gars. Il se croit tout le temps malade. Mais il a déjà vidé les caisses du casino d'Anvers, c'est pour te dire, hein. Oh, tout jordi, je ne remettrai plus jamais les pieds, hein. J'ai attrapé une bronchiolite asthmatiforme carabinée. Ben, j'ai dû dépenser tous mes gains en bronchodilatateur anticholinergique. C'est combien ça coûte, toi, tous ces brôles? Eh bien, 75 euros la boîte. Ben, oui. C'est une véritable gabegie, hein. Je te présente Bernard Lambert, responsable informatique chez nous. Bon, là, on y voit que ça rit, hein, mais cet homme a déjà piraté l'ordinateur personnel d'Albert II, hein. Il y a vu quelques photos olé olé, si tu vois ce que je veux dire, hein Bernard? Ah non, peut-être. D'ailleurs, j'ai perdu les photos couleurs que j'en avais prises. Tu les aurais pas vues quelque part, François? Elle, c'est Camille Lemaire. Elle est responsable en relations presse, partenariat. Bah, où c'est qu'elle est passée, d'ailleurs? Dis donc, ça sentirait pas le peu ici, non? Non. Et maintenant alors? Maintenant que les présentations sont faites, je te dis officiellement bienvenue chez Van der Broek. Je sens qu'on va faire du bon travail ensemble. Allô, monsieur Agnew?
Oui, c'est Paul Sobchak à l'appareil. Non, monsieur, chez les Vanderbruck, on ne mange pas de ce pain-là. Espèce d'imbécile qui me harcèle depuis ce matin. S'il te plaît, si tu sais regarder ce dossier, tu me diras quoi tantôt. Merci. D'accord. Bah oui, je t'ai regardé un dossier. Il y a que des expressions belges. Va falloir que je me mette à jour. Une frite. Tiens, bonjour, Paul. Je suis le roi de la moule. La moule. Et on est voyant un coup. Je travaille chez Vanderbruck. Je suis le roi de la moule et je travaille chez Vanderbruck. Tu vas te rappeler là. Je viens de Bruxelles et j'aime les frites et les moules. Voilà, et je travaille chez Vanderbruck. Je suis un vrai Belge, authentique. Allez, hop, un vendredi, on s'en jette une petite, ouais, les gars. Oh, ouais. On y va. C'est pas possible. Voilà. Allez, je vous rappelle. Moi, je te propose qu'on fasse venir de la bière trappiste. Je ne voudrais pas... La Grimbergen. Qu'est-ce que la Grimbergen, ça c'est de la bière. Une grosse pute. Et j'arrive dans 2 minutes, je suis au GSM. Il ne faut pas une bonne bière, hein. Mets-en 5, Robert. C'est quoi la première pour désaltérer, puis la deuxième, hein? Moule un jour, moule toujours. Oh. Bon alors, ça l'a fait ton GSM ou quoi? Il me semble que c'est un appel important, je reviens tantôt. Monsieur Anu, j'allais justement vous appeler. Ah, c'est bien, en plus. Je touche ma paye bientôt. J'aurais pu renflouer mon compte. Marion, je t'ai dit pas ce soir. Ma femme est au yoga et je dois m'occuper des gamins. Je t'ai dit pas ce soir, m'emmerde pas. Surtout, tu le gardes pour toi. J'ai 2 gosses à nourrir. Ma gonzesse me pompe tout mon fric en sac à main et autres conneries. Si je perds ce job, je suis cuit. J'ai pas assez cotisé. Je suis trop vieux. Je trouverai jamais un autre boulot. En plus, avec l'âge de la retraite qui recule de jour en jour, je suis foutu. Ça fait 20 ans que je bosse chez Vanderbruck. 20 ans que je mange des moules. 20 ans que je me coltine des vacances en Belgique. Mon gamin, je l'ai même appelé Baudouin. J'ai même pris des cours pour peaufiner mon accent. Ce boulot, c'est ma vie. Ça, par exemple. Et moi, je te faisais confiance. Hein. Tu sais que tu fous 1 mois d'amitié en l'air, ça. Tu sais, ça, hein? Je sais plus quoi te dire.
sur Radio Bruxelles, bonjour. Scandale à Bruges, un jeune enfant s'est étranglé avec une frette. L'autopsie vient de révéler que l'homme d'affaires. Oui, monsieur Agnew, c'est Paul Sobchak à l'appareil. Eh bien écoutez, je vous appelle pour vous dire que je viens officiellement de prendre du galon. Mon patron s'est fait licencier, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais en tout cas je suis son remplaçant. Du coup, j'augmente mon salaire considérablement. Donc préparez-moi la carte platinum, monsieur Agnew. Au revoir, monsieur Agnew. Oui, Geneviève? Oui, ça y est, le jeune homme est là pour l'entretien. Qu'il arrive dans 5 minutes. Merci, Geneviève.